Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve dans la colonie 4 sur Xenoblade Chronicles. Nous avons 3. Un point d'interrogation, mais. Mais on l'esquive habilement. On l'esquive habilement pour rendre à Maxi sa super quête. Ah oui, vous avez battu les méchants, ok très bien. Ça y est, on a éliminé les 3 monstres. Quoi vraiment? Ouais. Voilà l'épreuve, des petits bouts de monstres. Allez, la nature est bien faite, non? Ouais, merci. Les attaques de monstres devraient se faire plus rares maintenant, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'il fait, Len? Pourquoi y aller là-bas? Et après, il se met bien. Nous prendrons le relais désormais, et je vous garantis que vos efforts n'auront pas été vains. Ouf, un sacré effort. Cela dit, si je pouvais vous demander une autre petite faveur... Oh, pas de problème, tout ce que tu voudras. Pourriez-vous apporter ces monstres au service de l'approvisionnement? Nous les donnerons à Solon, comme ça. Encore merci. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Ça c'est le chapitre 6. Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben il y a encore plus de points d'interrogation, il y en a 3 maintenant. Ah ouais? Enfin, il y en avait déjà un, du coup il y en a 2 de plus. Ça se trouve, l'autre point d'interrogation c'est Dorine et Bam Bam. Je pense que c'est Dorine et Bam Bam. Ils étaient plus bas que la colonie. Bon voilà. C'est pas grave. On verra après. Est-ce que tu dois vraiment les donner à Solon pour de vrai? Ah oui. Ouais. La quête n'étant pas terminée. Quel plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous? Tiens. Voyons. Oh, votre mission s'est bien passée. Merci pour tout. Je vous utiliserai à bon escient. Quand bien même, ça m'étonne que Maxi vous ait confié cette mission. Ça nous a surpris aussi, impliquer des étrangers dans quelque chose de si important. Non, je veux dire que sur un plan personnel, Maxi a toujours été un loup solitaire. On était dans le même escadron, lui et moi. Et il avait la gâchette facile, il nous faisait voir de toutes les couleurs. Sérieux? J'aurais pas cru à le voir comme ça. Le Maxi, d'avance, serait parti trucider ses monstres tout seul. Mais il a mûri depuis qu'il est capitaine et ça me touche de voir qu'il a appris à demander de l'aide. Oups, j'étais un peu trop dit. Ça reste entre nous, d'accord? Ouais, j'espère vous recroiser à l'occasion. Bah, tellement il a disparu le gars. Hein, genre... Bon, c'est pas que, mais bon. Pas envie de rester avec vous quand même non plus. Bon, allons voir ce fabuleux point d'interrogation. Ah bah il est là. Oui. Vous aviez quelque chose à me dire? La quête d'ascension de Esselu. Pense quand même. Ne serait-ce pas un Denis Agnien? Que fait-il dans un endroit pareil? Ça me paraît imprudent de le garder dans une colonie de Keves, même s'il ne semble plus fonctionner. Ah ah ah, ne vous en faites pas, j'ai une permission de Polaris en bonne et due forme. Alors, vous avez remarqué? Attends une seconde, t'es qui toi déjà? Oups, la bourde, moi c'est Ymir. Je fais partie de l'équipe d'entretien et de développement. Maintenant que les présentations sont faites, rappelez-moi où j'en étais. Il arrête pas une seconde ce type. Ah, je voulais vous parler d'une Evnis Agnien là. Allez, voici ma question. Vous connaissez la différence entre l'Evnis Kevessien et l'Evnis Agnien? La couleur. Ah, bonne réponse. Exact, mais pas tout à fait exact. Parce que techniquement, on peut le peindre. Ouais, décide-toi mon pote. Allez, la bonne réponse est leurs jambes. Leurs jambes, je savais même pas qu'elles étaient différentes. Ah, vous voyez, les Devnis Agnien standards sont équipés d'un système de lévitation. En d'autres mots, ils flottent. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu... Non, mais vous êtes pas sérieux, là, quand même, l'équipe de Noah. Je vais vous apprendre sûrement rien, mais le poids du fuselage dans les Devnis est considérable. De plus, ils doivent transporter de lourds armements, alors il est important qu'ils aient des jambes solides. Et pourtant, ce n'est pas le cas de les Devnis Agnien. Ils n'ont même pas de jambes. Ce qui fait qu'ils sont... Mais ici, ils en ont, elles sont toutes frêles. En gros, ce que tu veux dire, c'est que les Leonis Agniens sont plus fonctionnels, c'est ça? Même si ça me fait de la peine de te l'avouer, les Leonis Kevessiens ne font pas le poids sur ce point. C'est pourquoi j'ai demandé à l'escadron tactique de capturer des Leonis Agniens. Ah, je vois, ces Leonis te servent donc pour tes recherches. Eh, tout à fait! Mais de nombreux éléments ont été endommagés lors d'opérations capture, et il est bon pour la casse. Mon rêve, c'est de percer les mystères de la technologie agnienne, n'est pas encore prêt de se réaliser. Alors j'ai aussi dit que je vous donnerais de l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi à réaliser mon rêve, je vous en serai le plus reconnaissant. Alors tu devrais aller à la convention des machines organisée dans la colonie 30. Quoi, y'a ça? Pour de vrai? Mais personne m'a prévenu. Quoi, tu nous demandes ça à nous? On n'est pas des ingénieurs, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, c'est tout simple en fait. Pour faire court, il me faut des composants de l'Evnis Agnien pour faire des tests.
Vous n'avez pas besoin d'en capturer un, juste de les vaincre et de m'en rapporter les composants, s'il vous plaît. Par composant, tu veux dire n'importe quelle pièce? Oui, je les inspecterai moi-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est détruire des Levnis et ramasser les pièces. Ah, vous en doutez sûrement, mais j'en ai besoin que des pièces à gagner, n'oubliez pas. Oui, oui. On a compris, on te rapportera ça. 1 sur 2. 1 sur 2. Bon, bah, j'imagine qu'on en a pas mal en vrai. Vous attends, alors ça avance. Ah ouais, non. Ah ouais, non, pas du tout en fait. 5! Voilà qui est embêtant. Oh! Ouf! C'était pile! Waouh, bon travail, vous m'impressionnez, et c'est bien plus d'échantillons qu'il me faut pour réaliser mes analyses. Ah, je m'y vais tout de suite. Oh, et bien sûr, c'était donc ça. Oh, t'as fait une grosse découverte? Tout votre placement était calculé pour ce point précis! Exactement. Oui, bonne nouvelle, grâce à tous les composants que vous m'avez apportés, je suis arrivé à une hypothèse fiable. Qui est... J'y viens. Pour faire simple, lorsque l'énergie concentrée obtenue de l'éther circule dans les interstices de la structure et du support du fuselage, elle crée un champ qui alimente les filtres et les balanciers et donne de la poussée au Levnis pour soutenir son poids. Et... Ouais, cool, on a compris, ça ira pour le moment. Maintenant, tu comprends le mécanisme et tu penses que tu pourrais aussi faire léviter des Levnis kevessiens? En théorie, oui, mais il me faudrait beaucoup de temps et des ressources infinies. Évidemment. Ah, je vais tenter de remettre ce Levnis en état pour tester mon hypothèse. Si j'arrive à le faire fonctionner, ça prouvera que mon hypothèse était bien correcte. Eh bon, sur ce, il faut que j'y aille. J'allais demander l'autorisation d'utiliser des ressources de développement à Dinzel. Ah, on va être de plus en plus occupé par ici. Ah, j'ai hâte. Allez, salut. Eh ben, bravo. Rien. Et du coup... Il y a 3 points d'interrogation toujours sur la map. Bon, alors... hop. Attends. Attends, il y en a 3 encore? Donc il y en a un au sud et un au sud-est. Donc, et si... un au nord. Enfin, si... nord-ouest. Si je vais au sud, il n'y a rien. Après, il est pas pilote. Attends, on monte. Non, si, je le vois, je crois. Regarde, en bas. Là, il est là. Ah. Bon, bah, allons faire celui-ci. Ah bah, c'est... Allez, Bam Bam, va voir. Ah, Bam Bam a trop peur. Ah, et c'est toi le plus agacé par ce bruit. Dorine a remarqué en premier. Hey, salut, on peut voir ce que vous... Eh bah dis donc, Lens. Ah cool, c'est vous, vous tombez à pic, le machin il fait du bruit. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, j'ai jamais piloté de ma vie. Attends, c'est bruit terrifiant. Ah, très très terrifiant. On se demande si on devrait aller voir d'où ça vient. Et vous vous disputez toujours pour prendre vos décisions? Le problème c'est que si on tombe sur un truc horrible, ben ce serait horrible. Très très horrible, alors comment continuer voyage paisible dans telles conditions? Oh, puis presse à la fin. C'est ça, toutes les libertés qu'on peut avoir. Ma main pas satisfait, ouais, je ma main fait que commencer. J'en peux plus de ces deux-là. Dites, c'est si important pour vous? Si c'est si important pour vous, vous aimeriez que nous allions voir avec vous? Vous feriez ça? Ami Pont, font ça pour Bam Bam. Tout ce que vous souhaitez, c'est connaître l'origine de ce bruit, cela ne devrait pas nous prendre bien longtemps. Ah, vous me sauvez la vie, on vous doit une fière chandelle. Ami Pont, sans voyageur chevronné. Bon, alors, mettons-nous en route, et si on veut régler ce problème, et commençons par vous savoir d'où viennent ces bruits. On va dire ça va, le bruit s'est calmé. Non. Ah, je pensais que c'était leur machine. Mais moi aussi. Alors, tu sais quoi? Faisons, on se bat pas. On va mettre un peu l'Inno. Super, notre héroïne Nopon est avec nous. Voilà.
un coffre. Un coffre qui est sur le point d'exploser. C'est ce machin qui fait du bruit. C'est un conteneur de ravitaillement. Pareil cassé au parachutage, bruit et signal d'erreur. Ah, tout s'explique, on s'inquiétait pour rien. On peut pas arrêter ce boucan. Attendez une seconde, peut-être qu'en bidouillant ce machin là. Du coup, pas moins de récupérer ce qu'il y a dedans. Bam bam, réfléchis, conteneur pas trop cassé, possible de réparer un peu avec huile de coude. Ah, si seulement on avait les pièces nécessaires, on pourrait sûrement faire quelque chose, si seulement vous pouviez aller chercher un milliard d'objets! Ouais, bien sûr, on serait ravis d'aller chercher des pièces pour vous, c'est demandé si gentiment. Ah, vous êtes si généreux. Une crâne là, on a limité. Ce qu'il faut, c'est des réacteurs paisibles. Vous devriez en trouver près du champ de bataille de Cana. Enfin, normalement. Qu'est-ce qu'on a déjà? Je sais pas. J'ai même pas pu aller leur parler. Nous avons les pièces qu'il te faut, mais est-ce que ça suffira vraiment pour le réparer? Ouais, c'est parfait. Préparez-vous à voir ce qui est capable l'équipe d'entretien et développement. Oh non, mon bruit a attiré monstre! Ah non, d'accord, il est normal, lui. Enfin, il est normal, il est pour de vrai. Une fois de plus, l'exposition prolongée à l'imbécilité nous crée des problèmes. Ces deux-là sont des dangers publics. Allons, ne dis pas ça, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Oh, on s'occupera du monstre. Chargez-vous du conteneur. Au secours! Baba veut pas mourir! Oh, c'est pas... Donnons juste une bonne raclée à ces monstres. Juste un monstre, il va être niveau 17 le machin. Bon, 25, ok. Quick. Voilà, pauvre monstre. Méritait-il réellement ça? Et voilà, adieu la serrure, c'est bon, porte ouverte. Impossible n'existe pas pour Bam Bam et Ami Pong. Prodigieux chercheur, développeur et parfois mécanicien par-dessus marché. Ouais, quand est-ce que vous êtes revenu? Bon, voilà ce qu'il y a là-dedans. J'espère que c'est à manger. Ah, mais ce perso aussi s'esquise. Que vous voulez faire de ça? Bam Bam peut pas porter, Bam Bam pas guerrier. Quoi ce brasier? Ça passe aussi, c'est skis. Du matériel de combat. Finalement, tout ça n'aura pas été complètement inutile. Pas besoin de ça. Qu'est-ce que t'en sais? Ça coûte rien de le prendre. C'est pas comme si on allait se battre. Ami Pont a raison, on sert à rien s'il peut pas manger. Ouais, on vous en fait cadeau, merci pour votre aide. Non, frère, on va pas dire non. Super! Si ça peut vous servir, considérez ça comme un gage de notre reconnaissance. Bam bam est d'accord, content de pouvoir être utile à Mipon. Bam bam, je crois que le moment de partir à notre prochaine destination est arrivé. Allons à Mipon. Tantôt ils se disputent, tantôt ils s'adorent, je vous jure ces deux-là. Ils sont pas malins, ils auraient pu tout vendre pour s'acheter à manger. Ils y ont pas pensé. Ils sont libres. Du coup, il y avait un point d'interrogation au nord-ouest. Si tu dézooms, peut-être que tu le vois mieux. Ah oui, il est au nord-ouest. Un peu au milieu. Plus bas, là. Tu le vois, hein? Non. Il est à la sortie de la colonie 4. C'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu! Ah bah ça doit être l'autre gars en fait là, deux. Pas sûr que lui par contre, on puisse le faire. Oh bah, il est mort. Ouais, tout va bien. C'est quoi, ils sont morts, je peux faire rapport, capitaine. Chut, ne parle pas! Avant toute chose, il te faut des soins. Dépêchons. Ah, c'est Lens qui va faire du soin. Mais oui. Ah, un gros coup de poing. C'est bon, t'es soigné? Oui, merci. J'avais mieux.
C'est une quête normale, ils ont dit. D'accord. Plus de musique, là, ça y est. C'est le moment un peu triste. Ah, voilà. Franchement, Mio, tu comprends pas pourquoi la colonie 4 t'aime pas, mais regarde ce que tu fais, aussi. Ah, ils vont s'occuper de toi tout de suite. Tiens, bon. Un excellent doublage, merci. Alors, ça va mieux? Ouais, merci de m'avoir aidé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu as parlé de ton escadron. Ouais, bien, bien. C'est bon, tu peux parler. Maxi! Merci de lui avoir porté secours. On n'arrêtait pas de nous sauver la mise ces derniers temps. Ah, on s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. On a vu un point d'interrogation, on y allait. Capitaine Maxi, je... Repose-toi, d'accord, je vais leur expliquer. Combattre Agnus n'a plus tellement de sens depuis que la colonie 4 n'a plus de cadran. Ils ont donc décidé d'envoyer des messagers secrets un peu partout pour révéler la vérité aux autres colonies. Donc un de ces messagers. Tout à fait, il fait partie de l'équipe secrète déployée par l'escadron tactique. Tout se passe bien, j'espère pouvoir mettre en place un vaste réseau d'entraide entre les colonies. Je suis désolé, capitaine. L'escadron a été décimé. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une attaque de monstres? Pas des monstres. Venice. Il y avait un opon vert et un petit garçon dedans. On n'a rien pu faire. Ils nous ont roulé dessus. Agnus? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Il est sorti de nulle part. On n'a même pas le temps de réagir. Que notre escorte était déjà là. Il n'avait pas vu un livre disparaître. Il était monstrueux. Que penses-tu de tout ça? Dès le début de l'attaque, l'ennemi aurait dû s'apercevoir que nous n'avons pas de cadran vital et nous n'aurions donc rien à y gagner. Et malgré tout, l'ennemi a quand même décimé l'escadron. Ça n'a aucun sens, à moins qu'il n'ait su qu'il était notre but et a voulu nous empêcher de le mener à bien. Tu veux dire que l'ennemi avait voulu vous empêcher de propager l'information? Il comptait isoler la colonie 4? À l'Evnice que personne n'avait jamais vu surgit nulle part. C'est impossible. À quoi tu penses, Noah? Maxi, est-ce que tu sais où l'attaque a eu lieu? Eh bien... On est tombé sur eux au monde de Murmure. Je crois qu'ils nous guettaient. C'est votre réponse. Vous n'allez pas vous rendre là-bas, quand même. J'ai bien peur que si... J'ai une idée de qui sont ces assaillants. Tu es sérieux? Je n'en suis pas certain, c'est pourquoi j'aimerais creuser un peu cette histoire. Bien sûr, cette affaire concerne la colonie 4 et la décision finale te revient. Pour tout te dire... Vous serez reconnaissant, mais à une condition. Je viens avec vous. Super, on va faire la quête héros de Maxi. Ah, yes! Ah, mais non, mais tout le monde s'attendait à autre chose. Mais non, non. Maxi, le prochain héros, finalement. Nous, ça nous dérange pas, mais c'est pas un problème pour un capitaine de quitter son poste. Bah, tu sais, Yuni, depuis le temps... Si, mais je viens quand même. D'accord, dans ce cas, on partira dès que possible. Capitaine! Toi, on s'occupe de tout, tu te reposes. Oh, autant de bonnes choses. Ça va être dur, sa commission. Demander de ses missions, des fois, capitaine. Me reposer. Ah, colonie 4, on connaît pas. Je l'ai fait bien avant, cette quête. Ah oui, non, mais on est... C'est pour ça qu'on va de colonie en colonie, finalement. Ouais, bah visiblement, on a pas été longtemps dans la colonie 4. Pourtant, j'avais l'impression que si, mais... Mais bon. Il y a plein de quêtes qu'on a pas faites dans la colonie 4. Il y a même des dépouilles. Bah oui, c'est la colonie. Ils sont niveau 62, mais dis donc. Bah. Attends, finalement, là, on est dans une quête un peu plus. Un peu plus complexe, finalement. Eh ben, ils sont bons pour la casse. Explorons la zone. Celui qui a fait ça a peut-être laissé des indices. Coucou, ah. C'est nous. Bah vous connaissez, hein. Mais qui? Trouvez. Je le savais, des lénistes comme ceux qui nous attaquaient dans la forêt de Makta. Maxi, tu es prêt à combattre? Pourquoi te crois-tu que je suis venu? Le robot H-Viande. Bah non, ils sont niveau 37. Oui. C'est juste que vous n'étiez pas revenu depuis que vous l'aviez libéré, je crois, et c'était au début du jeu. Oui, c'est...
En fait, on a fait les quêtes au début, et puis on est parti, on n'est jamais revenu, et... Enfin si, on est revenu, puisqu'on a eu la quête de Bam Bam et Dorin. Ouais, mais on l'a pas faite, parce qu'on n'avait pas envie, imagine. Ah oui, épée de légende. Non, c'est pas épée de légende, ça. Bravo! Il y a quelqu'un qui se soigne, là, dans son coin. Bah, il s'enfuit. Oh, je resterai. Vous allez quand même pas partir sans dire au revoir! Ah! Mais qu'est-ce que... Pas encore fini, il arrive! Ah, lui, il en veut encore! Assaillant mystérieux. Ah, non, j'allais dire, il se bat pas en fait! Oh, c'est juste qu'il a mis un peu de temps avant de comprendre qu'il devait se battre. L'ai raté. Bon bah... Ah non, on le bat pas. Mais où est-ce qu'il est passé, bande de lâches? On va tous vous faire moucher. Il est trop énervé. Maxi, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Il nous a donné des coups et il a fait le chaos control après. Les hommes sont morts parce que j'ai manqué de discernement. C'est comme si je les avais tués moi-même. Toute la vengeance du monde n'y changera rien. Ta colère est naturelle, tu as perdu des camarades. Nous pouvons les guider si tu veux. Vous ferez ça? Oui, s'il vous plaît. Vite. Vite. Transformer les pastilles rouges en pastilles bleues. Bravo! Oh bah, pour démasquer l'ennemi, on repassera! Oui, écoutez, ce n'est qu'une supposition de ma part, mais... Avec vous qui brisez les cadrans vitaux à droite à gauche, on voit bien que la guerre n'a plus de raison d'être. Si ça venait à se savoir, on pourrait y mettre un terme. Alors cette attaque serait l'œuvre de quelqu'un qui ne veut pas que ça se produise? C'est bien ta théorie? Rien ne dit que ça soit vrai, mais Agnus et les monstres ne sont pas les seuls dangers qui nous menacent, ça c'est sûr. Nous devons nous montrer plus prudents à l'avenir pour reconnaître nos amis et nos ennemis. Ne restons pas dans cette erreur, je vous le promets. Tout va bien, Maxi? Oui, ça va, tout va bien grâce à vous. Désolé, je vais retourner à Alconi, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, j'imagine... Va bien te remettre en route tout de suite. Définis, on avait clairement après vous. Ne les laissez pas vous avoir, d'accord. Et voilà. Donc, est-ce qu'on a encore des points d'interrogation? Bah là, on n'est plus dans la zone du désert. C'est vrai? Oui, on est vers la colonie 9. Ah. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste voir, il n'y a rien ici, c'est bon, tranquille. Ça semble correct. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans le désert encore? Bon, je vais y aller quand même. Il y en a deux bon, maintenant. Bon bah ok, bon, c'est bien, ok.
J'allais dire, se multiplient. Je vais aller voir le truc quand même, genre peut-être qu'on peut améliorer... comment Paimon. Il s'appelle Paimon, oui. Ino. Attends, c'est facile comme nom, Ino. C'est trois lettres. Mm. Oh. C'est la quête de Ino. Ah ouais, je pense. Hop, ils sont enfuis. Ah, dispute de Nopon. これはイノ様、それにお供の方々も。さっきの集まりは何?キャラバンの緊急集会も。キャラバン全体で問題が起きたら、代表同士でミーティングするのが習わしも。つまり、何らかの問題が発生したと。やだもう、お見通しも? ほんと困ったちゃんなのよもう。ノポンの問題はイノの問題ですもん。ぜひ話を聞かせてくださいも。もうさすがイノ様、頼もしい限りも。今回は100年に一度級の厄介もとも。なぜならば我らノポンの天敵 Nopon-Ita-Nopon-Ivore. Le Nopon-Ita. Le Nopon-Ita. Nopon-Ita. Je sens que je vais me fâcher. Comment ça tu vas te fâcher? Nopon-Ita wa namae no tori Nopon bakari o osou chou gokuak monster desu mo. Ah bah encore la forêt de Makta, toujours la forêt de Makta. Ouais bah de toute façon c'est il y a deux zones dans ce jeu, forêt de Makta, désert. もう怖いったらないもん。夜中におトイレ行けなくなっちゃうもん。もう余裕しけ自体ですもん。しかし、居場所が分かってるならこっちのもんですもん。聞いての通りですもん、ご主人殿。このままではノポン絶滅の危機ですもん。Oh non, ce serait terrible. Comment on aurait notre dose quotidienne de dispute de Nopon après? ほうてはおけないな。俺たちで何とかしよう。おお、助かりも。でも押しつけちゃったみたいでちょっと申し訳ない気分も。何をおっしゃりますも。皆さんを危険にさらしてしまってこちらこそ申し訳ないですも。イノはノポンの守護者として作られた人工ブレイドですも。だから何も気にしなくていいですも。それで 俺たちはモルクナ大森林のどこに向かえばいい?まずはエンダド峠のキャラバンでケハケバーを訪ねるといいも。ケハケバーが最初の目撃者らしいも。承知ですも。ケハケバー殿なら昔荷物運びのお手伝いをした仲ですも。よし、エンダド峠に出発だ。 Allez, bye bye. Espoir des Nopon. Nopon-Ita. Ah, mes points doivent... Ah, on a des trucs. Faudra encore un 3. Ah non.
Ah ouais, bon. Après, tu peux dire retour, mais... C'est vrai? Ah mais non, bah oui, mais retour, c'est... Oui, tu dois tout refaire. Non, bah non, là, c'est bon, c'est fait, hein. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Oh, version 5.0 pour écouter. Et top niveau! Ah, ça y est. Yeah, bien joué, Totoma. Cylindre atteint perfection. Bonne chance avec Éther concentré. Ah, elle nous a même donné de l'amitié pour les nopons. Ça fait plaisir. Bah, du coup, j'avais envie de voir vite fait, du coup. Miss. Comment on fait déjà pour voir? Comme ça? C'était pas dans les classes? Dans les personnages, oui. Ah, là, Inolien, a... voilà. Parce qu'on peut peut-être l'améliorer. On a combien? 53. Moins de 15% à la vitesse de recharge chaque fois que le lanceur est KO. Ça me parle bien, ça. C'est une attaque. Elle aime bien mourir en fait. Je crois qu'on peut tout avoir. Donc. Bon bah voilà là tout. Les compétences faut pas. Après faut les réaméliorer encore. Ouais. Là, celle d'attaque, tu l'as vraiment? Ouais, ouais. C'est, on dirait que non, mais non, c'est bon. J'ai tout, là. Je ne peux... Ça se trouve, c'est parce que t'as plus assez de... Ah, faut... Tu penses qu'il... Ah ouais, peut-être, effectivement. Là, je suis à combien d'éther? Pas fiché. T'es à 8, mais ça ne dit pas du tout combien il faut pour la suite. Ah non, ouais, non. Ah mais non, c'est écrit 50%. Ouais, ouais, t'as non, bien fait la route. Ouais, et à mon avis, ça se débloquera quand t'auras fait sa quête. Oui, terminé d'abord la quête de héros. Ok, bon, on est bien, alors bien joué. Ouais, donc on doit aller au col de Palolo. Ouais, c'est vrai, tu fais pas l'autre quête qui était au même endroit? Il y avait une autre quête? Bah, il y avait deux points d'interrogation, non? Le premier point d'interrogation c'était la quête héros, le deuxième point d'interrogation c'était le gars avec. Ah oui! Mais c'est vrai que j'aurais pu regarder s'il n'y en avait pas des autres, des points d'interrogation finalement. Bah c'est pas grave, on est parti. Voilà, nous revoilà enfin dans la forêt de Makta, notre endroit préféré. C'est pour qu'on récupère quelques nectarines et compagnie, tu vois, tant qu'à faire. On va pouvoir discuter avec des petits nopons. ノポンイーターを目撃したのはどのあたりなんだ?あいつを見たのはインビディア参道でしたも。 とにかく目についたノポンを片っ端から襲いまくってますも。まったく大迷惑なやつですも。ぬぬぬ。なんということですも。か弱いノポンをいじめるなど、たとえ天が許してもイノが許さんですも。ご安心を、ケハケバードの。今度こそイノたちが。 D'ailleurs, il y a un point d'interrogation dans cette zone. C'est vrai? Ouais. Enfin, pas dans la forêt, mais dans la carte entière. Oui. Ah ouais? Pourquoi oui. Je le vois pas, là? Parce qu'il est caché derrière le... Il est caché derrière un point d'exclamation? Oui. Enfin, c'est pas un point d'exclamation.
Mais il était en bas à gauche. Attends, je vous dis, il est caché du coup. Bon, ok, non, je pas au point d'exclamation. Ah, mais oui, oui. En oui. fait, il y a même deux points d'interrogation. Ah, ouais, mais il y en a un des deux. C'est notre super quête préférée de. Les renfas. Les renfas et l'autre. Là, j'en vois un. Et l'autre, il est oh, à côté, là. Ouais, ouais. Alors, à mon avis, vu que c'est un campement, je te laisse deviner qui est là-bas. Ouais, ça marche. Ça marche. Oh, on avait trouvé un Féronis HS ici. Eh bien... Je me souvenais. Ah oui, d'accord, on est là. C'est pas trop la forêt, finalement. Oui, mais non, on vous demande pas d'aller dans la forêt, on vous demande d'aller dans le sentier du Rayaya. L'attaque préférée de Meta Knight. Wouah, c'est lui le Nopon Eater. C'est un Rathalos. Nopon Ita. Il est trop stylé. C'est clair. Je vais manger un petit nopon. Ah bah oui, c'est lui. Les nopon Ita. Oh, pas nopon. Pas intéressé. Ah mais il y a deux petits nopons dans l'équipe là. Oh, carrément en sashimi. Ouais, des sashimi de Rathalos musclé, pourquoi pas. Hein. Nos ponivores. Il est fluffy. C'est un oiseau musclé lui aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'oiseau musclé. Il est de retour. Wow, t'as bien fait mal, hein. Mon dieu, ces abdos. Non, mais ça, c'est le genre de monstre, Senna, elle se dit, finalement, c'est lui mon monstre préféré. Que là, franchement, oui. Si plus tard, je voudrais devenir une Nopon Eater, si jamais je me réincarne, elle a dit. Comment peux-tu dire une chose pareille? Oh, Nana est vexée. Oh mince, Puni est morte. Ah, il est déjà mort. Il fait le Rathalos. Tour du monde en 80 jours. Il a changé de zone. Ça, c'est à peu près le genre de conversation que j'ai avec ceux qui se téléportent dans Splatoon. Ah oui, oui, les gens qui TP back. Ah, mais Yuni, tu as des ailes! Tu peux voler! Merci, Ino. Voilà. Ah bah désolé, mais c'est pas faisable. Calme-toi un peu, ma belle. Tu vas péter une durite. Ça m'empêche de le reconnaître, mais on peut vraiment rien faire pour le moment. Pauvre Ino, Ino. Puis techniquement, tu as sauvé 4 nopons nopons. 4 bon. Oui, ma nana aussi. Ensuite,
s'occupera du Nopon Iter plus tard. Ouroboros de Taillon vole en plus. Oui, oui, mais Noah, il n'y a pas pensé. Il n'utilise pas le Ouroboros de Taillon. Pas assez de dégâts. Ino-sama! Terunie-dono, d'où ここに Terunie, Ino-sama no otezudai ni kimashita mo. Ino-sama ni onbu dakko bakari ja, Caravan Nopon no naga sutaru mo. Ima koso, otoko o miseru toki mo. Ongaeshi no bargain sale to ikimasu mo. ヘルニー殿。うん。イノ様、何やら落ち込みムードも。実はカモカモしもりもで。もう逃げてしまったも。いくらしい取り子も。今まで通じたのか。 Comment il a? Ah oui, pardon, je fais comme Ino et moi je m'endors aussi, là il semblerait. ポレン。イノ様、花粉玉にもいろいろあります。ご存知、マグマな花粉玉に、ちょっと危ない感じな、ご金星の花粉玉などなども。なんだ、イノ知らなかったですもん。 Caravan no ura line-up nano de Ino sama ga shiranai. En catimini. Da sono abunai hou no kafun dama to yara ga Nopon Eater ni kiku tte iu no ka? Sono hazu mo. Shikashi koko wa nen ni wa nen o de Gokinsei kafun dama no kouka mashimashi. Ah oui, ouais, je me souviens là de concocter des trucs pollen pour affronter des monstres géants, c'est dans le genre d'Arceus. C'est vrai ça, hein. Et après tu spam. Ouais, c'est une technique efficace, tu jettes des boules de pollen sur un machin et au bout d'un moment il peut plus se battre. Comme championne. Quelques relations dans le milieu des oiseaux musclés, figurez-vous. Aujourd'hui? Eh mais en fait, je viens de comprendre que quand elle fait ce mouvement de balancier, c'est ce que fait aussi les nopons, je crois. Ouais, ouais. C'est un nopon. Oui, oui, je sais. Mais rieur que Armuromia, en plus. Yabayabana seibun ga... Oto... Kuchi ga subetta mo...
とにかくたくさんあればあるほどありがたいも。了解ですもん。超特急で積んできますもん。ノポンといえば花粉玉、花粉玉といえばノポンですもん。切っても渡すものはあれです。Il faut encore donner des trucs. Oh là là, on a 71 de. Allez, ce sera ça. 切り離せない関係ということか。なるほど。ご苦労様でしたも。これだけあれば十分。Ces fleurs qu'on a ramassées il y a 3 mois sont encore en parfaite forme. Très bien, oui. Ah mais on a une glacière en fait. Vous avez une petite glacière et puis on met tout dedans. オキニー殿、もしやテルニー殿にご用事ですもん。ちょっとやだもん。テルニーから何も聞いてないもん。オキニーはイノ様が困ってるって聞いてノポンイーターの居場所を調べてたのよもん。まさか突き止めたのか。そりゃあった。もちろんも。だからこうしてお知らせに来たのよも。すごいな。一体どうやって？もキャラバンの移動は。あ、je savais qu'elle allait dire un truc comme ça。réseau commérage。お気に入りの手にかかれば、あなたのほくろの数だろうとなんだろうとすぐに分かっちゃうも。お待たせも、テルニー的に会心の敵でしたも。花粉玉できたのか？なんのんも、ただの花粉玉じゃないも。名付けて、テルニー特製スペシャル花粉玉。Dangereusement puissant. Ah bah voilà. Ah.Voilà, merci. Ah, c'est des bombes de bouse. Un petit peu.Vous avez pas de nez les Nopons, comment ça se passe? Bah non, ils ont pas de nez. Ah, comme les Krilin, donc évidemment quand tu n'as pas de nez, tu n'as pas de... Ok. Et alors comment ils goûtent? Écoute, j'y arrive, c'est tout. L'espoir de... Il tient dans cette boule. Oh merci. Ah, il y a. Warui, kedo. Kore wa sasuga ni. Noah qui refuse d'aider quelqu'un, inadmissible. Mais vous êtes trop méchant! Maïtana. Kakugo, Kimelmo. Nopon, ma main, wa. Noa, to Ino, ni kakatelmo. Est-ce que tu penses que Riku, il porte une perruque? Oui. Mais pourquoi c'est Noah qui doit la transporter? Parce que Ino veut. Parce que Ino n'a pas de poche. Elle n'a pas la poche dimensionnelle oui. Où ranger tout dedans. Ah, on va aller dans le désert. Ah, Iko.
Ne perdons pas de temps, ça tombe bien, Noah. On va perdre. Parce que j'imagine que vous allez me TP à... Ah oui, oh ah, ah oui, d'accord, rien à voir. Ah ouais, bon. Bon bah je crois que... je sais pas en fait. Bon, il y avait un point d'interrogation, on va aller le faire quand même. Il est où? Ah, il est là. Ah, tu vas y aller. Bah vu que... Après, on n'a plus rien à faire ici. Ouais, au moins, comme ça, voilà, vu que de toute façon, on s'en va, donc... Urk. Et passé quoi? Je voulais un bon dîner à base de viande et tu te gâches en mettant ça dedans. Oh, j'ai que viande et mauvais pour corps. Bam bam, ajouter ingrédients pour la santé. Ajouter fraises et kiwis dans la viande. Quel est le problème cette fois-ci? C'est encore vous. Écoutez un peu, il a mis des fraises et des kiwis dans de la viande. Il essaie de m'empoisonner. Il a mis de l'aubergine. Ah. Ah. Un tour de bam bam, de faire quand on fait cuisine, bam bam, faire petit plat santé avec bon ingrédient, une force pour voyager, kiwi fraise aubergine, très bon. J'aurais préféré kiwi fraise que aubergine. C'est vrai. Finalement. Pas un crime que bam bam sache que Dorine crie toujours berk sur pauvre bam bam. Disons que vous pourrez être un peu plus sympa, Dorine. Vous pouvez pas trouver un arrangement? Non, 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 faut vraiment que je vous explique. La santé physique, ok, si vous voulez, mais vous mangez pas un truc aussi immonde, ça affecte ma santé mentale. Si je dois absolument mettre de l'aubergine dans mon plat, la moindre des choses, ce serait de donner du goût. Eh, bam bam, pas chef pont privé de Dorine, hein, et là, pour exaucer devant le farfelu, bam bam peut rien faire. Je parie que ma nana a des idées, n'est-ce pas, ma nana? Oh oh, bien sûr, ma nana a idées, ma nana veut bien partager secret pour danser papille. Tu ferais ça, t'as entendu, bam bam? Mais bam bam, entendu, ma nana prendra secret s'il te plaît. Ma nana ravie. Avant de commencer, faut trouver nectar de pulpiris. Et pulpiris, c'est une fleur? Correct, pousse au sanctuaire des anomènes. Très bien, on pourra vous charger de t'en procurer. Vous deux, préparez ce qu'il faut pour cuisiner. Ça marche. Ah. Bon. Est-ce qu'on a déjà les... Bah vu qu'on peut pas leur parler... Je crains que non. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas la quête... De c'est sélectionner. Ça, non, page blanche. Ah. Bon allez, blanche. On est pas loin. Il en manque un. Oh, ah, mince. Quel dommage. C'était... Par là. Par oh, on le voit bien briller là. Pas trouver un bulbiris dans le coin. Oh, il y a une cinématique. Oh, mais, c'est eux. Mais je pense pas que ce soit une coïncidence. Vous pensez qu'ils cherchent la même chose que nous? Bah si c'est le cas, ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Bon bah... Nous on aussi, protège la page blanche. Nous aussi, on veut écrire des romans. Ok. Ouais, ils ont toujours un peu de mal, hein, par contre, à chaque fois à comprendre. Ah, début du combat. Ah, j'avais pas compris là quand même. Je trouve que cette coïncidence est quand même géniale. Hein. C'est vrai, hein, franchement. Après, c'est peut-être pas une coïncidence, et si on va chercher cette page, il y a vraiment eux. Ouais, non, je pense, hein, c'est vraiment eux. De toute façon, on les a déjà vus, puisque on était censé les avoir vus à. Dans la forêt. Mmh. Fusionner carrément. Ah oui, pourquoi pas. On est déjà niveau 2 donc. Ouf. Bon. Est-ce qu'on peut trouver vite fait un... Des métabol...
Non, c'est pas ça. C'est plat équilibré, pardon. Il m'indique où est-ce qu'on peut en trouver. Non. Mince. Ah là là, est-ce qu'on trouve ça là? Bah ils ont dit dans la plaine d'Anemenu. Bah si tu mets la carte, est-ce qu'il y a des noms ou pas du tout? Je crois pas, hein. Camp de l'étang. Camp du roc de titan. Caravane de la cascade. Bah je me dis que ça aurait été pas loin. Non. Virio. Une plaine. C'est quoi ici? Les arbres de minerai carrier. Pages blanches. Mais dis donc, il y en a beaucoup des pages blanches. C'est pas indiqué quand vous regardez dans le menu des quêtes. Peut-être qu'on n'a pas lu. Ah, j'avoue. Eh, hey, c'était écrit quelque chose là. C'est vrai? Attends. Aurine, non, montrer. Zedder. 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 Région de Pentalas. Oui. On y est déjà? Oui, on y est déjà. Et... Oh. Cuisine faite, elle manque. Manger fruits et légumes crus. On peut faire avec. Qu'en jour de congé pourront aller à la colonie lambda pour remplir Bidou de bon miam miam. La cuisine open. Ah, si vous voulez bien nous donner des bulbiris là, et pas des bulles bébés. Bah, elle a dit que ça se trouvait dans quelque chose, Anemo, je sais pas quoi. Mais faut trouver le nom en fait de l'endroit qui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Je comprends bien, je comprends bien. Ah! Ah non, ça c'est le. C'est la page blanche. Et la plaine, c'est pas là-haut par hasard? Ouais, mais ça fait loin quand même. Je me dis que la quête, elle devrait pas demander d'aller si loin de là où elle se trouve. Ouais, 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 ouais. Alors, la quête, on a été à quel camp déjà? Plus loin, plus loin, plus à droite. Ouais, là, mais... dans le petit donc, couloir. Qu'est-ce que ça serait ici? Je vais quand même y aller parce que bon. Il y a sûrement un endroit où c'est écrit. Et quand on a la carte, on peut choisir un endroit. Est-ce que. Ouais, mais c'est quand c'est des zones vraiment particulières. Genre, il faut rentrer dans un donjon ou un truc comme ça. Ouais, je vois, je vois. Il y a la forêt. Mais parce que j'avoue que. Enfin, on découvre des endroits et ils ont des noms, mais ils sont écrits nulle part. Bah, ils sont pas écrits, oui, puisque. Mais tu peux pas juste marcher au hasard pour chercher un bulbiris. Surtout que si c'est pas du tout là. C'est pas plus rapide de regarder un par un chaque nom de camp. Si, si. C'est Caravane de la Cascade. Mais le problème, c'est que voilà, ça veut rien dire après. Bonito cantine. Camp de l'étang. De la tour. Candengardo. La... On peut afficher les noms sur les cartes. Non. Rechercher, il y avait plus. Ah! Repère. Ah voilà. Donc t'avais dit que ça s'appelait comment? Plaine. En fait, ça se trouve, j'invente. Hein. Quand le repos, ouais, après c'est des coins. Quoi. À l'aise du grand vent. Col de Pelza. Haute minière. Ah oui, c'est ces points-là en fait qui donnent les noms. On peut y aller? Ah oui, on peut y aller.
Là, j'entends ni de la pluie dans la réalité, ni de la pluie dans le jeu. Pour répondre à la question. Moi, j'entends un peu d'eau quand même. Mais dans le jeu. Ouais, j'imagine que c'est dans le jeu. De toute façon, oui, en fait, c'est les. Bah, c'est peut-être là. Hein. Ici, c'est une grande plaine un peu. Là. À gauche, c'est écrit quoi là sur le. Là, ici, c'est juste écrit quoi de Pelza. Bon, après, oui, hein, j'imagine que. Une plaine. J'ai pas du tout retenu le nom finalement. Ou alors, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas écouté. Alors... Oh. Adieu. Oh bah, tout le monde est mort. Bon, ça a pas l'air d'être ici du coup. Au moins, on est dans la bonne région déjà. Et on peut même pas redire la, une indication ou quoi. Ah, peut-être que je peux reparler au gars. La quête, on voit pas où il faut aller. Non. Non, non, ils disent pas là. Tu dis juste récupérer des vulpiris. Bon, je vais aller parler aux deux gars. Hein. Peut-être que ils vont me dire des trucs. Paf, paf. À gauche. À gauche. Il était là. Très bien. Alors. Une fleur poussant dans le sanctuaire des Anomènes. Ah d'accord, donc c'était Anomène. Ben, sanctuaire des Anomènes. Si vous réussissez à faire ce que légumes répugnants sentent à peu près bon, je suis prêt à l'avaler par les trous de nez. Oh, non, pas comment, tu as raison. Bon. Alors, sanctuaire. Finalement, il veut le sanctuaire de quelque chose. Ah, techniquement, on en a déjà eu, donc ça veut dire qu'on connaît un peu. Ouais, mais là... Il n'y a pas de sanctuaire. Pas un con, sanctuaire. Yes! Alors, qu'est-ce qui ressemblerait à un sanctuaire finalement? Et ici, il y a un truc. Mais pour y aller, c'est par en bas. Ils n'en font pas pousser dans la colonito par hasard, c'est vrai. Hein. Finalement, la colonito, la meilleure colonie pour faire pousser des trucs. Ah mais ouais, ici, au tout début, on était venu ici, on pouvait pas encore grinder. Non. Est-ce que ici, c'est un sanctuaire? C'est vrai, hein, ça fait un peu sanctuaire ici, finalement. Surtout qu'on en a 4 sur 5, donc c'est un endroit où on est passé très peu de temps finalement. Ouais. J'avoue que là, sur le coup, la quête elle est un petit peu méchante. On en a eu des quêtes où il fallait cueillir des trucs et ça nous disait quand même où aller. Bah techniquement ça nous le dit pas vraiment, mais vu qu'en général c'était pas si compliqué. Il y avait un moment où il fallait qu'on aille chercher des trèfles quadrifeuilles. Et ça nous a dit d'aller les cueillir par tel endroit, tu vois. Ouais. En tout cas c'est stylé ici. Ah, il y a même des boss. Un duo de personnes niveau 82. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Crastor le divin. Les assassins agniens. Incroyable. Ah voilà, je me disais. En général, ils donnent des directions. Oui. Bon, ils sont peut-être un petit peu trop forts pour moi. Donc. Oui, je pense que c'est un peu audacieux si tu t'attaques à eux. De rien avoir d'autre que eux hein. Ici. Dommage, ça aurait sans doute été intéressant. Bon. Surtout que quand tu fais plus, ça te dit. Enfin, pas plus, mais ça te dit rien. Ouais, ouais. De toute façon, faut regarder les
les icônes avec une couronne. Enfin, une couronne. Ouais, mais je sens, j'ai déjà regardé, hein, tous les points de repère. Ouais, mais ça, c'est les camps. C'est pas ceux-là, c'est pas les points de repos. Ah oui, les repères. Mais j'ai déjà regardé aussi, toi, ça. L'estuaire, l'aquifère, le réservoir de minerais, l'alvédère, la tour de guet, la falaise du grand vent, côte de Pélésa, route minière, carrière. Ce serait vers la colonie Tau. C'est un peu un sanctuaire où ils ont installé leur... Ils en font pousser peut-être des petites pousses de bulles bébés. Mais c'est vrai que ce qu'on récupère chez eux, on les récupère un peu partout aussi, donc peut-être qu'ils en font. Ouais. Parce que ça, c'est un sanctuaire. Ouais. Kirika, Mio, kekai o tanomu. On sait absolument pas où on va, mais on y va. Ah, il y a des aubergines scintillantes. Donc s'il y a des aubergines scintillantes, peut-être que... Pas loin, il y a... Eh, regarde un coffre là-haut si tu veux. Ah, ok. Là-haut, j'ai l'air de dire... Ah, bon, il y a un truc là, chat. Attends, il y a un point d'interrogation? Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais il y a un point d'interrogation. Mais c'est pas les renforts? Ah oui. Mais non, attends. Mais, attends. Non, c'est pas les renforts. Ah si, ok. Ah, je pensais qu'on était parti au sud-est, en fait. Mais... T'as dit que t'avais vu un coffre? Il est encore plus haut. Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Ça y est! On les a trouvés! Ouf! Oh, y a même ah non, nectar... c'est les nectarines vertes, c'est pas. Non! Il y a des flûtes. Ici. Bon. Aïe aïe aïe, on s'est bien fait avoir là, par la nectarine en plus. Encore cette maudite quête des renforts. Ah mais oui, non mais elle est maudite. Et on a toujours pas fini, hein, du coup, parce que... Bah du coup... Parce que bah comme vous pouvez le voir, vu qu'elles sont toujours notées, ça veut dire qu'on ne les a pas encore récupérées. Bon alors, il est où le coffre et la flûte là? Là, il y a une flûte. T'avais un truc. Yuni ? Elle est où, Yuni ? Elle est où, Yuni ? Je sais pas, mais la flûte, elle est pas du tout là. Elle serait plus haut. Est-ce que tu peux regarder en haut ? Ouais, ce serait au-dessus. Ah, elle se colorie pas, hein, donc je ne sais pas. Elle serait plus bas. Et le coffre. Le coffre n'est jamais bon. Non plus. Ah, est-ce que c'est des nectarines encore? Probablement. Oui. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as vu, Noah? Rien? D'accord, ok. Ah, Noah, il dit qu'il a vu un truc, mais en fait, il n'a rien vu. Monté tout en haut, j'ai pas vu de... Mais t'es pas monté tout en haut. Je crois que si, hein. Parce qu'après, je partais, en fait. Oui, mais il y avait peut-être... Avec les câbles. Des petits coins dans des murs. Ah, c'est compliqué. C'est ça la liberté, tu vois. Chercher des ingrédients. Ah oh oui, en plus, c'est pour eux. Abuser. Je sais pas pourquoi vous dites qu'il y a des trucs. Vous. Parce que c'est des monstres rares. Ah ouais, ouais, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas continué. Parce que. Oui, après... mais si tu fais le tour. Ah, tu penses? Non, mais pas, prends pas le câble. Là,
Il n'y a pas des trucs pour monter? Regarde, tu vois, on peut monter. Ah, il l'a vu. Alors, il est où, ton conteneur, Nance? Ah, j'ai vu un conteneur, mais je ne sais pas où c'est il est. C'est pas au-dessus? Ah, ouais. Ah, ouais, il faudrait prendre un câble là. Ok. Donc, on peut encore monter? Ah, il y a un câble. Ah, là, t'es au même point que le coffre. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vois bien, il est là, en fait. Bon, très bien. Mais peut-être ouais, mais que ici... c'est par rapport au câble. Mais il y a un là, câble là-bas. Là. Non, ce câble non. Là, c'est la fin, je crois, non? Il y a deux câbles. Regarde. On a un ouais. Qui est à gauche et un qui emmène à un petit point sur le côté. Lui là, l'autre. Ouais. C'est une caravane, ok. Aux marques. Peut-être qu'ils peuvent aussi loin. Peut-être qu'ils peuvent me vendre des trucs, eux là. Idéalement les dopons. Peut-être ça s'achète. Voilà. Que nous on veut quoi? Des bulbes iris. Ouais, mais ils en vendent pas. Ok, très bien. C'est tellement cher les trucs que vous vendez. Il manque combien d'hectarines? Mais j'avoue, il manque quoi finalement dans cette quête des renforts? Bah en fait, il faut 60... Il y a 4 objets de différents, je crois. Il faut 60 trucs, ouais. Mais il n'y a pas que les nectarines, c'est ce que je voulais dire. Il m'en manque 18 des nectarines. Il faut des aubergines, je m'en souviens. Donc il en manque 14. Et Oh, ça va, on avance bien. Et oui, il semblait que c'était 50. Ah, c'est 50, c'est pas 60. Moi, je crois que c'était 60. En théorie, je peux le voir, attends. Ils veulent... 50, ok. Mais là, tu vois, quand tu regardes les nectarines, ça écrit quoi? Fort en fa. Oui, mais non, mais il faut les amener à fort en fa. Ah, ok. Donc non, c'est pas écrit non plus. Mais il n'y avait pas moyen de se téléporter là-haut, là? Ah, voilà, tour de guet. Alors, il y a un câble dans le coin, non? Monter. Ah, il faut monter. Okay. Chum. On peut parfois entendre des échos de bataille depuis le sentier montagne. Je pense pas qu'elle puisse s'étendre jusqu'ici. Pourquoi le coup d'être prudent, tu ne penses pas? Nous ne sommes pas assez nombreux, alors les attaques frontales sont hors de question. Nous gérons les choses de toute façon. D'accord, ok. Ah, ici, il n'y a pas de truc. Très bien. Ouais, non, là, tu redescends. Moi, je te disais d'aller dans l'endroit avec un trou, mais c'est pas grave. Moi, je me demandais si ici, c'était pas plus... Quoi? Oui, il y a quelqu'un qui a eu hyper mal, là. De toute façon, là, t'as pas fait le tour avec les escaliers. Là, le coffre, il est pas genre plus bas, non? Mais non, il est au-dessus de toi. Il est là. Ah oui, ok, on est exactement au même point, en fait. Oui. Mais quel escalier tu parles? Pas d'escalier. Bah ça, c'est quoi devant toi? Ah oui, mais après, je m'en vais, en fait. Ça, oui, mais je me demandais s'il y avait un autre chemin. Et en plus, quand on regarde sur la carte, il y a un autre point encore. Et on mène à un truc, une petite plateforme éloignée. Mais c'est peut-être le début du sanctuaire. Moi, je me souviens pas. Après, si ça se trouve, faut prendre une échelle depuis tout ce temps. Ah oui, ok, c'est beaucoup plus bas. Ok. Et là, de toute façon, on voit qu'il y a des escaliers là-haut, alors je me demande à quel point on peut monter encore plus. Bah, on le voit, mais il n'y a pas d'escalier, quoi, genre... Et à un moment donné, j'ai l'impression que t'allais dans un endroit bien et t'as rebroussé chemin. Mince, c'était bloqué. Non. Tu es même récompensé par une noix épicée. Parce que là, je peux pas aller là. Là, il n'y a plus rien. Donc, ce serait forcément dans cette zone. Un truc. Pour remonter. Parce que là... À moins qu'il faut venir d'en haut. Oui, c'est ce que je me disais. Enfin, non, je me disais pas ça. Parce que je te disais, non, va pas par là. Ah, mais là, il y a un arbre. On peut monter, en fait. C'est comme ça. Ouais, ok, fallait passer par là. Peut-être qu'il y a un truc ici, remarque. Enfin,
comment ça s'appelle, un truc, là il y a des aubergines. Donc, laissez-moi vérifier, qu'est-ce qu'il a vu? Je sais pas, mais on peut monter par là. Ah, ok, super Taillon, merci. Oula, il y a Noah, là, il dash, là, il est pressé. Ah là 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 là. Donc là, on est potentiellement, j'imagine, au même point que... On n'a jamais été ici. Bah ouais, ils sont super forts, les ennemis, ici. Ah, tu l'as frôlé, il a pas aimé. Allez, les défenseurs. Ouais, on peut même monter et tout. Le coffre est là, mais peut-être qu'on devrait monter avant d'y aller. Ouais, pour aller voir la flûte. C'est pas une flûte, c'est une dépouille. Ouais. Quelqu'un qui est monté et qui est mort, c'est trop triste. Alors qu'il voulait juste... Bah, il essayait de s'enfuir, je pense, tu vois. Les mobs, ils étaient trop forts pour lui. Oh, c'est un quoi? Un anien, je crois. Oui. Ah, c'est Na qui vient écouter la chanson. Je ne suis pas arrivé en retard, j'espère. Non, t'inquiète. Oh, on peut monter encore. Oui. Oui, on a vu quand même, ça va. La terre salée. Bon, toujours pas de bulbiris par contre. Hein. Oh là là, ça monte bien. Les autres vont pas venir, ça va. Oh, Taillon, il est mort. Ah, les ennemis niveau 61, c'est difficile, il semblerait. Pas le coucher, c'est, je sais même pas ce que c'est qu'on affronte, un Squaror Cocteau. Oh, ah mais c'était un ah mais c'était un glue. Je peux pas une plaie. Oui. Un peu quand même. Vous vouliez des points, et ben voilà. Très bien. Ça monte bien. Ouais, mais c'est clair. Je sais pas où on va aller. Peut-être vers un sanctuaire, qui sait. Finalement. Oh, quand même. Regardez-le, lui, il est beau. Ah, oh, lui, il est beau. En tant que bon bouc, je fonce dans les machins. C'est... Ah non, c'est peut-être une nectarine. Non mais ça c'est super fourbe, une nectarine. Allez, c'est... Oh, c'est nectarine. J'allais dire peut-être. Ouais, je vois pas pourquoi une quête de niveau 30, il te ferait aller dans un niveau 60 pour la faire, tu vois. Bah, écoute, techniquement, elle est pas à niveau... Chez un niveau pas forte, la quête de... On en a déjà eu 4 sur 5, ça veut dire qu'on a déjà trouvé ça un jour. Oui, mais peut-être qu'ici, il y en a aussi. Oui. Pour moi. Visiblement, on rejoint un endroit qu'on a déjà été, en fait. C'est sympathique, ici. Des palourdes de vase, un haricot noir, un raisin juteux pour Knuckles. Faudrait juste penser à refaire demi-tour. Salut, Lati. Faudrait juste penser à faire demi-tour après. Pour le... Regarde, on a un téléport, donc on pourra y retourner. Vous pouvez me laisser tranquille, ça serait genre super cool par contre. Ah, y'a des boss. Ah, y'a des boss. Oh, y'a des boss. Et en plus, ils sont faisables ceux-là. Enfin, faisable. Ah, peut-être qu'on va faire les boss et puis on va s'arrêter. Hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas là par contre.
Enfin, peut-être que je vais chercher les... Toramama, la colossale. Ah, les deux sont réveillés. Vaillant mugissement. Vous avez commencé le stream à 21h à peu près, ouais. Pourquoi? Ah, elle s'est noyée, Mio. Senna, elle nous soigne et après elle se téléporte en mode bon, enfin elle fusionne. Mon travail est terminé, je peux retourner le combattre. Bon, il est où Taillon là? C'est mort? Ah non, il y a fusionné. Mais non, il fusionne. Je vais m'approcher de lui pour avoir du soin. Tu devras t'en passer. Il semblerait. Hein. Oh là là, mourrez pas! Ah, c'est la galère, on n'a pas de points de vie. On a compté deux boss en même temps en fait aussi. Attends, vous refusionnez, mais comment on pouvait refusionner là, genre? On m'a envie. D'accord, ok. Le pire, c'est qu'ils sont au niveau 1. Ouais, nous aussi il faudrait qu'on fusionne, mais ce serait bien qu'on passe niveau 3. Peut-être qu'on fera un enchaînement avant. Bah, let's go, enchaînement. On peut faire un enchaînement. On peut jamais fusionner avec Noah! Super Ino! Ah. Mais d'un côté, t'as Noah et. Ouais, j'avoue, ah là, c'est dur! Elle fait quoi? Augmente le pourcentage des dégâts de 225 points. En plus, c'est peut-être bien. Tu devrais prendre Noah et elle reviendra plus tard. Bon, allez, on va miser on sur. On va jamais essayer de voir s'il revenait plus tard. Ouais, il revient, non? Enfin, il y a peut-être une possibilité, je crois. Ajoute 30 points, on peut péter. Attends, donc il y a le moins de péter est réactive. Et le réactif, c'est le termine l'ordre d'attaque. Ah, il faut terminer. On va finir avec. Bon, bah, nous avons besoin de soins, figurez-vous. Et j'ai pas fait du soin, c'est bien, bravo. Écoutez, pourquoi pas. Ah oui, c'est là. Ah oui, bah allez. Bah on va faire du soin, donc on avait dit hein, à la base, jusqu'au moment où j'oublie de faire le soin et que c'est bien. Bon vas-y, je pense que tu peux le finir. Tranquille moi. Soigner Noah avec ses 1 milliard de points de vie. Oui, parce que bon, il fait genre il a la moitié de sa vie, mais il a déjà plus de HP que tout le monde. C'est difficile pour Noah, quand même. Ah yes, il a réussi! Quel talent ce Lens. Ouais, le boss, on rappelle, bien sûr. Ah, il tient bien, Doramama. Dorama, ouais. Un diorama même, on pourrait dire. Non, ah la déception. Elle est jamais revue. Ouais. Elle n'est jamais revue comme tu dis. Votre acolyte c'est une du DLC, oui. Techniquement, oh à la base on faisait sa quête. À la base on faisait sa quête. Mais elle a dit qu'il fallait partir ailleurs, alors je me suis dit je vais faire une autre quête en attendant. Une très mauvaise idée. On aurait dû s'arrêter là en fait. C'est vrai. Hein. Mais je pensais pas qu'ils allaient nous demander d'aller chercher une épice secrète au fond d'un désert, dans un sanctuaire qui n'est jamais nommé. Plus on termine bien avec genre celui qui fait le moins de dégâts. Hein. C'est bien. Limite tu peux skip
Bah peut-être pas parce que il je sais pas si ça te touche l'autre à côté. Ouais, c'est ça, tu vois, donc dans le doute. La boucle infinie a été lancée après avoir voulu changer de quête. Oui, voilà, c'est ça. Ce fut notre erreur. Pensez à Pepe. Ouais, ouais, les épices, tout ça. Ah, peut-être qu'on va le toucher en faisant des... Ouais, si, on touche. Hein. Tranquille. Ok, cool. Il est venu négocier dans ma main. What? Il y a des petits trucs pour qu'ils tiennent debout quand même, malgré le fait qu'ils soient dans l'eau. Vous avez fait 4 millions? D'accord. Soit parsemé. Ah, ils étaient motivés aujourd'hui, il semblerait. Hein. Oh, ça lui a pas fait si mal en fait. Pas grave, bientôt on va fusionner avec Noah. On ne pourra plus rien c'est faire. Bon, voilà. Il s'appelait Doranko. Ah ouais. Il est imposant celui-ci. Qui se fait shooter dedans là. Oh là là là, vous lui faites tellement mal. Mais à mon avis, il est démotivé parce que son ami. Ouais, bah ouais, tu vois. C'est comme l'autre avec Bam Bam. L'un ne peut plus. Ils font des genres d'otari. J'aurais dit des morses, mais oui. L'un ne peut pas survivre sans. Ouais, bon, bah, si tu veux, on va là-bas. Hein. Et... Oh oh, bah attends, mais c'est une nouvelle attaque ça. Ouais, ouais, j'avoue là. Bah tiens, prends-toi le coup de grâce quelque part. C'est fini, on s'arrête là. Allez, un petit coffre pour... Alors, comment on va? À droite, il y a un petit escalier là, non? Oula, non, pas si à droite que ça! Je disais en sautant sur les cailloux. Ah bah bravo! Pourquoi je n'arrive plus à monter? Ah voilà. Et voilà, c'était ça l'escalier. Non, je voulais. Oh là là! Qu'est-ce que vous faites vous là? Genre, vous êtes dans votre coin là, vous faites des sauts ici. Allez, bon. T'as réussi à monter tout à l'heure là, il faut le refaire. Pourquoi des fois tu veux pas? Vous voulez pas m'aider vous? Non. Pas envie. Ah, c'est trop haut. Comment je suis monté en fait? Ah, bah, j'étais peut-être passé par là en fait. Oui, t'avais fait un saut et. Ouais, comme ça. Tout ça parce que les personnages veulent absolument monter avec leurs pieds et pas en escaladant avec leurs mains. Mais c'est pas. Ouais, bon, c'est pas. Regardez là, Noah le frimeur. Bah le boss, on a dit. Hein. Quand même, il est fort, Noah. Mémoire lumineuse. Wow. Eh ben voilà. Bon, alors c'était pas l'épice, mais au moins... Attends, c'était mais... sympa. C'est quoi ça? C'est un Féronis. Mais on l'a vu, lui. C'est pas le Féronis qu'on avait dit, ouais, on n'avait jamais vu, il y a un Féronis ici, blablabla. Oui, ça va. Enfin, ça va, on l'a vu. Ok, très bien. Son Miraidon et Coraidon pour faire des sauts. Je sais pas ce qu'ils font nos alliés, mais... Ils aimeraient bien escalader avec leurs mains, mais ils ont zéro endurance pour ce genre d'action. Ah. Bon, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notre quête n'a pas été couronnée de succès, malheureusement, mais on a trouvé une super piscine sympathique. C'est super beau ici. C'est hein. Trop bien ici. Hein, je pense qu'on devrait revenir souvent, hein, juste pour faire les baignades. Et puis un petit barbecue à côté, pourquoi pas, ouais, avec des aubergines scintillantes. À l'épice de je sais plus quoi là, bah des bulbes iris, voilà c'est écrit. Oui, j'avoue, ça fait un peu fontaine des fées avec la petite musique sympa et tout. Ah, c'est juste un peu dommage, tu vois, on n'a pas de. Mais y a pas de camp justement ici. Ah, y a pas de camp, y a pas de camp. Y a deux points de téléport. Oui, mais il n'y a pas de camp. Donc on ne peut pas s'y poser pour discuter de l'avenir de cet endroit, je vois. Et bien voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce stream, et à bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde.